pourquoi nous sommes réunis autour de l'œuvre d'un sculpteur, Emmanuel Robineau, et nous en sommes à notre troisième rencontre virtuelle pour célébrer la présence dans le cube blanc, dans le célèbre cube blanc, allais-je dire, de la rue des Croisiers à Caen, qui est une galerie, un espace d'art contemporain, galerie. Emmanuel, tu produis beaucoup de ces petites vidéos, donc tu n'as pas la liste et pas forcément les titres, mais est-ce que tu donnes des titres? Oui, je donne toujours un titre. C'est des titres avec une consonance, je dirais poétique. Emmanuel, donc tu donnes des titres poétiques à tes vidéos. Nous Oui. parlerons de la réalisation de ces vidéos, faites à partir, bien sûr, de tes vidéos. Oui. Alors, je pense qu'il est très important de situer d'où part ta démarche. Tu venais de dire ailleurs dans le monde, d'où part ta démarche déjà géographiquement parlant, parce que tu habites un petit point sur la planète qui est très chargée, qu'est Regniéville-sur-Mer. Est-ce que tu peux parler un tout petit peu de Regniéville et ensuite de éventuellement la manière dont on peut créer à Regniéville-sur-Mer et de la façon dont tu es arrivé à Regniéville-sur-Mer? Je vais même aller un peu plus avant, parce qu'en fait, je suis né, moi, en 1960. Hein. Je suis né à Saint-Brieuc, par mon père qui a été muté en Bretagne dans les années 60. Donc, je suis né en Bretagne, j'ai vécu toute mon enfance en Bretagne, à Saint-Brieuc et ensuite à Lorient. Et je suis convaincu que ça fait partie de ma construction, parce que tous les dimanches après-midi, on allait soit dans une chapelle, soit les enclos, soit au bord de la mer se promener. C'est pour moi cette jeunesse et cette préadolescence en Bretagne, je pense, est fondatrice. Voilà. Ensuite, je ne suis pas resté en Bretagne tout le temps. Je suis remonté en Normandie. J'ai fait mes études aux Beaux-Arts de Caen. Toute ma famille est principalement originaire de Normandie, hein, une partie de Caen, une autre partie plus de la Manche, enfin je ne vais pas rentrer dans les détails. Et en fait j'ai eu la chance de me marier avec une autre étudiante des Beaux-Arts, qui était elle originaire de Regniéville-sur-Mer, c'est une famille originaire sa famille et elle sont originaires depuis plusieurs générations de Regniéville-sur-Mer. Et le fait est que je veux dire, au moins 25 ans, j'habite à Regniéville-sur-Mer. Alors, Regniéville-sur-Mer, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est au bord de l'univers. C'est-à-dire qu'il y a Regniéville, il y a la mer, et après, ben, il y a le reste, hein, il y a l'espace. Quand tu habites à Regniéville, tu es forcément lié au temps, à l'espace, au mouvement des marées, à l'eau, à l'horizon qui se bouche. Parce que quand il fait beau, tu vois les îles, tu vois Chausey, tu vois Cancale, tu vois l'Angleterre. Quand tu ne vois rien, ben, c'est qu'il pleut. Tu vois le ciel qui se dégage ben ce soir. Il va faire trop sombre. Je suis dans ma véranda. Là, on aurait presque pu voir le ciel se dégager sur la mer parce qu'il commence à faire beau. Voilà, c'est ça en fait, Regniéville. Regniéville, c'est un lieu qui s'est construit au bord de l'eau parce que pendant longtemps, ça a été très vivant au niveau, comme port. Ça a été un port assez important au niveau de la Manche, qui s'est évidemment aujourd'hui, c'est devenu une petite station de villégiature. La moitié des maisons sont des maisons de Alors, résidences secondaires. Et voilà, donc moi aujourd'hui je suis installé ici entre les murs de Regniéville, puisque l'habitat est resté très, comment dire, c'est un habitat ancien. Je sais pas pourquoi. Oui, voilà. Regniéville, c'est un havre. Est-ce qu'on dit ça? Oui, on dit c'est un havre. C'est-à-dire On dit l'eau rentre à chaque marée, l'eau rentre et repart. Et là, la rivière passe dans le Havre, il y a donc toujours une rivière évidemment, et la mer remonte le long de la rivière et repart évidemment, remplit le Havre et se vide évidemment à chaque marée basse. Oui, c'est tout à fait Voilà. ça. Il y a donc de la terre Il y a de la terre, il y a de la tangue, il y a de la charriée terre. par Alors, il y a même. l'eau. Il y a. Tu me dis? Donc, question que je vais te poser. Un certain nombre de plasticiens invités dans le cadre de la galerie IGDA 2.0, un certain nombre de plasticiens viennent, ont fait leurs études, viennent d'une certaine manière artistiquement de l'école des beaux-arts de Caen-Cherbourg.
C'est ton cas. Oui. Dino Fava, quant à lui, est allé dans une autre école dans le sud-ouest, mais peut-être a fait un passage aussi aux Beaux-Arts. J'aimerais mettre en relation deux choses. Ton passage à l'école des Beaux-Arts de Caen et la date d'arrivée du sculpteur que tu vas devenir ou que tu es peut-être déjà à Regnéville. Quand t'installes-tu à Regnéville? Est-ce après tes études? Et si oui, avais-tu déjà choisi la sculpture quand tu étais à l'école des Beaux-Arts de Caen? Quand j'ai passé mon diplôme, j'ai passé mon diplôme avec de la sculpture. Et, avec des scu et les sculptures que j'ai présentées à mon diplôme, elles sont à l'origine de ce que je fais aujourd'hui et dans la continuité de ce que j'ai présenté le jour de mon diplôme à Caen. Voilà. Et quand Très bien. j'étais aux Beaux-Arts de Caen, j'y ai rencontré mon épouse, voilà, ma femme, qui était elle aussi étudiante. Elle est originaire de Regnéville. Donc j'allais. Ça s'est pas fait la première année, je ne vais pas vous refaire dans le détail, on est d'accord. Mais j'étais régulièrement amené à aller à Renéville le week-end ou les vacances pour profiter évidemment de Renéville, grâce à elle, bien sûr. Et je me suis installé à Renéville plus tard, évidemment, ça s'est pas fait. Alors, donc, tu faisais des allers-retours entre Caen et Regnéville pendant tes Oui, études. oui. Ouais. Mais tu es rentré à l'école des Beaux-Arts de Caen pour y étudier la sculpture. Pas spécialement pour Pas spécialement. voilà, pas spécialement, non. Non, parce que j'ai même pas mal fait au début, je faisais plutôt de la peinture. Voilà. D'accord. Voilà. Donc, c'est au cours de tes études que tu as choisi de faire de la sculpture ton moyen d'expression prioritaire. Oui, parce que j'avais des cherché des. Enfin, comment ça se passe, hein, on cherche des solutions, on réfléchit, et à un moment, voilà, y a des choses qui me. Y a un déclic qui s'est fait, et à ce moment-là, j'ai produit des choses qui étaient de l'ordre de la sculpture. Tout à fait. C'était déjà des Alors, sculptures que je fabriquais moi intégralement. Hein, déjà, je fabriquais intégralement tout ce que je faisais. moi, je ne peux pas m'empêcher, mais est-ce parce que tu es en train de marquer Regnéville et que ton jardin et que tes sculptures et tout ça maintenant s'associent à Regnéville et que Regnéville se souvient déjà de toi? Ou est-ce parce que Regnéville a influencé ta démarche? Mais pour moi, les deux sont extrêmement liés. Oui, Une fois que les deux, bien sûr que les deux sont liés. J'ai pas. Après, c'est difficile de juger la part des choses. Hein, on le sait très bien. Hein, mais c'est évident que les deux choses sont liées, bien sûr. Voilà. Alors, Surtout que, donc. non, surtout que là où je suis, j'ai aussi, je profite aussi d'un espace qui me permet aussi de produire. Voilà, j'ai une maison, un jardin, un espace dans lequel j'ai un atelier suffisamment grand pour produire. J'habiterai un petit Oh, mais je crois appartement. que ça va Voilà. plus loin. Hein? Je crois que ça va plus loin. Donc, tu choisis la sculpture à l'école des Beaux-Arts. Est-ce qu'à Non, c'est-à-dire l'époque. que attends, je ne choisis pas la sculpture, c'est-à-dire que la sculpture me permet de répondre aux questions que je veux poser ou que je me pose. C'est un petit peu la différence. D'accord. Donc, à un moment, tu interroges la sculpture et elle te répond et elle Oui. t'interpelle suffisamment pour que tu sois en quête de quelque chose à travers ce mode d'expression. Oui, c'est-à-dire que les questions que je me posais déjà avant, j'avais d'autres façons d'y répondre, et à un moment, c'est la sculpture qui m'a permis d'y répondre d'une manière qui me satisfaisait plus. Alors, là, moi, je suis totalement, comment dire, curieuse d'un certain nombre de choses. Quand tu étudies à l'École des Beaux-Arts la sculpture, quelles sont les techniques qui te sont enseignées? Parce que malgré tout, ta manière de fabriquer des sculptures est très particulière. Tu ne tailles pas la pierre. Est-ce que tu peux expliquer la pluralité des techniques possibles qui s'offrent à toi quand tu es aux Beaux-Arts de Caen? Les écoles des beaux-arts ne fonctionnent pas avec de la technique, elles fonctionnent uniquement avec des concepts. Quand je suis arrivé aux beaux-arts de Caen, l'école des beaux-arts de Caen à l'époque, dans laquelle il y avait comme enseignant par exemple Joël Hubaut, que pas mal de gens connaissent, c'était une école qui fonctionnait essentiellement sur le concept. Nous, notre petite génération, quand elle est arrivée dans les années 80, voilà à peu près,
Il s'est trouvé qu'on avait, moi et mes collègues, on arrivait en même temps que la figuration libre. Et curieusement, dans les années 80, nous avons, nous, essayé de chambouler, nous avons ramené aux Beaux-Arts de Caen, à cette époque-là, de la peinture et une sculpture, entre guillemets, plus traditionnelle, ce n'est pas du tout ça, mais nous avons ramené des techniques qui n'étaient pas présentes avant qu'on arrive. Les Beaux-Arts de Caen m'ont pas offert particulièrement de technique, elles m'ont permis surtout de réfléchir, de me poser des questions, de m'interroger. C'était ça en fait le but. Les enseignants étaient là pour nous poser, voilà, pour nous interpeller, hein, pour nous mettre devant nos contradictions et pour nous faire et pour nous faire évoluer. Hein. Mais en aucun cas, les techniques que j'ai acquises sont issues directement de l'école des Beaux-Arts. Hein. Ça marche pas. D'accord. Alors, aujourd'hui, et c'est vrai aussi pour la peinture, lorsque on veut dépasser les connaissances conceptuelles ou intellectuelles et les questionnements qui vous sont transmis dans les écoles des beaux-arts, il faut aller chercher ailleurs. Oui. Est-ce Enfin, que les artistes aujourd'hui le font? Et si oui, où? Parce que ensuite, on va véritablement aborder cette question de la non-technique, si je puis dire, déjà dans ton travail, qui est vraiment très frappant, comme un retour au berceau de l'humanité. Mais je souhaiterais d'abord que tu me répondes. Est-ce que le fait que les écoles des beaux-arts ne transmettent plus de connaissances et de pratiques techniques pousse les étudiants qui auraient envie de retourner, puisque tu dis, nous avons fait une sorte de retour à des techniques traditionnelles, est-ce que ça vous a poussé à aller chercher la réponse ailleurs? Et si oui, où y a-t-il encore des endroits où un sculpteur, un peintre peut aller chercher des modes d'emploi, pour ne pas dire des techniques, des protocoles, des indications pour ne pas se retrouver complètement démuni quand il commence effectivement à vouloir représenter en trois dimensions un objet sorti de son imaginaire. Est-ce que toi, tu es allé chercher ailleurs qu'à l'école des beaux-arts la réponse Oui. à des questions de fabrication en termes de technique Ah de ben, culture? oui, totalement. Mais on va pas faire le procès là des écoles on va pas en aucun cas faire le procès des écoles de Beaux-Arts. Surtout qu'aujourd'hui, je sais même pas comment elles fonctionnent exactement, comment les relations On est toujours un hiérarchiques. peu là, Je y ne sais compris pas. maintenant de plus en plus dans les écoles de cinéma. Donc la tendance s'est vraiment élargie. Bon, même si, malgré tout, dans les écoles des beaux-arts, il y a quand même des ateliers, il y a des ateliers de céramique, il y a des ateliers de métallurgie, enfin voilà, il y a quand même pas mal de choses qui sont quand même proposées Y aux a quand même de étudiants. la. Hein, voilà, à Caen, je sais qu'il y a des beaux ateliers dans lesquels les étudiants peuvent quand même apprendre des techniques, il me semble. Voilà. Non, moi, après, j'ai été chercher moi-même, je me suis débrouillé tout seul. La terre que j'utilise aujourd'hui, c'est moi tout seul qui ai fait la démarche pour apprendre à comment la manipuler et comment la cuire, etc. C'est ma propre démarche. Dans ton cas précis, es-tu allé chercher de la connaissance quelque part, en Oui, dehors bien de l'école sûr. des beaux-arts de Caen? Ah ben moi, quand j'ai. C'est-à-dire que pendant longtemps, j'ai utilisé du ciment pour fabriquer pour monter mes volumes. Bon, le ciment, à un moment, a beaucoup de limites, et puis c'est manipulé, c'est. Bon, c'est pas très agréable. Donc, je cherchais depuis longtemps à utiliser de la terre et à utiliser la terre pour la cuire parce qu'elle a plein de possibilités. Donc, quand je me suis interrogé, j'ai cherché, j'ai comment faire une petite formation. J'ai fait une petite formation dans un centre de céramique. J'y suis allé, je me suis documenté sur Internet, j'ai acheté des documents, je me suis équipé tout seul et puis je me suis débrouillé tout seul, vraiment tout seul, comme on dit, en autodidacte, tout à fait là-dessus. Voilà. Ah oui, mais alors là, si tu veux, c'est très, très étonnant parce que quand on fait autant d'années d'études, qu'on va dans une école des beaux-arts assez reconnue et qu'on doit recommencer une démarche quasiment du facteur cheval ou une démarche, comme dirait notre ami Hervé Di Rosa, en art modeste quasiment, Oui. et c'est-à-dire en art brut. Oui. De manière autodidacte, c'est quand même troublant. Parce que j'allais te poser une foultitude de questions justement sur cette naïveté qui est dans ta, je dirais, dans ta sculpture. De quelle naïveté s'agit-il? Nous allons y arriver. Mais alors, en tout cas, j'apprends qu'il y a une sorte de quête
non aboutie, de soif non assouvie par rapport à une recherche technique qui t'amène à toi-même fabriquer tes propres protocoles, essayer de trouver ta science, de faire un progrès scientifique vis-à-vis d'une, je dirais, d'un manque de connaissances de départ. Tu n'as reçu, rien ne t'a été transmis de la science des sculpteurs jusqu'au début du XXe siècle, à la fois en termes d'anatomie, de repères anatomiques, de fabrication, de rapport à la pierre et au bronze et à tous ces matériaux nobles qui étaient utilisés précédemment. Tout ça, rien de tout ça ne t'a été transmis. Nous avions une prof de dessin, Madame Moufle, qui était une excellente prof de dessin, sur lequel on faisait du modèle vivant. C'était très, très bien. Non, mais je vois pas où est le... Moi, je vois pas où est le problème. Mais non, il n'y a pas de problème. Il y a simplement surprise. Je vais te dire deux choses. J'ai interviewé récemment une danseuse avec laquelle je travaille, qui est Marie-Agnès Gillot, qui m'a dit « Mais de toute façon, la technique, la transmission technique, elle n'existe plus que dans la danse. » Imaginez, on ne pourrait plus faire la Joconde, on ne saurait pas comment faire. Je suis revenue le lendemain, j'ai dit « Marie-Agnès, moi, je connais beaucoup de restaurateurs italiens extrêmement compétents, qui savent manier tous les lavis, tous les vernis, qui peuvent effectivement fabriquer d'excellents faussaires et qui en tout cas disposent de la technique. Mais en revanche, cette technicité, elle reste cantonnée dans le domaine de la restauration du patrimoine, où on trouve d'excellents tailleurs de pierre et sans doute des sculpteurs qui peuvent refaire certains motifs à l'identique. Mais il n'y a pas réellement transmission dans le monde artistique, à proprement parler, d'après ce que tu dis, c'est-à-dire qu'on ne peut pas réinterroger la technique plus avant, un siècle après Rodin. On ne peut pas continuer ce chemin-là, cette voie-là. Oui, mais les avant-gardes sont passées par là. Les avant-gardes sont essentielles. Oui. Heureusement qu'il y a eu les avant-gardes. Je pense que même c'est tant mieux. Je pense qu'heureusement. Non, mais je suis tout à fait d'accord. Mais être d'avant-garde, d'une certaine manière, c'est révolutionner une technique. On ne peut pas être d'avant-garde. Moi, j'adore aussi cette phrase de Régis Debray qui m'a dit un jour, publiquement, « Mais pour tourner le dos à l'institution, il faut qu'il y ait l'institution. » On ne peut pas lui tourner le dos. Je dirais, pour révolutionner, être vraiment d'avant-garde par rapport à un champ artistique, il faut d'une certaine manière s'y inscrire. Sinon, on est dans un no man's land. À la limite, c'est Sisyphe. Bon, ça, c'est effectivement un phénomène qui est quand même assez récent, de repartir à zéro alors qu'on est arrivé à un degré de sophistication extrême. D'ailleurs, dans la musique, on n'en est pas là. C'est-à-dire que la musique contemporaine est très savante. Oui, c'est vrai. La plupart des compositeurs contemporains sont extrêmement érudits en matière d'histoire de la musique et toutes les techniques leur ont été transmises, même si ils travaillent du côté de l'électroacoustique et font fi des technicités classiques. Mais j'ai l'impression, et j'aimerais bien entendre Dino aussi là-dessus, parce que c'est quand même extrêmement intéressant, que dans les arts plastiques, ce n'est pas tout à fait le cas. On n'apprend pas la composition et la technicité des plasticiens, des artistes visuels du siècle précédent. Là. Ben, moi, ce n'est pas à moi de juger, même si je peux peut-être être d'accord. Il ne s'agit pas de juger, mais de savoir. On est d'accord, mais bon, je ne sais pas quoi dire là. Je suis d'accord, mais en même temps… Simplement savoir si effectivement c'est général, on n'apprend plus à sculpter avec, je dirais, tous les questionnements qui étaient ceux… Voilà, là on montre la galerie. Voilà, on montre la galerie avec les proportions… Les proportions, parce que tout à l'heure, on va voir la galerie en ligne qui ne rend pas compte des proportions de ces statues extraordinaires qui nous fascinent. Parce qu'il y a des statues comme ça qui sont déjà grandes et, comme dirait un des commentateurs sur Facebook, c'est implacable. Il a parlé d'un côté implacable, c'est implacable. Et j'ai un bout de texte
de Jacques, qui est un texte d'Emmanuel Robineau, qui me demande de lire un texte que lui a envie de lire, puisqu'il n'est plus à l'écran, et qui correspond un petit peu à la conjoncture et aussi à l'œuvre d'Emmanuel Robineau. Alors là, ce sont des très grands statues, n'est-ce pas, Emmanuel? Oui, c'est qu'on ne voit grand. Pas, qu'on ne voit pas dans la galerie. Tu nous as donné des petites photos qui ne rendent pas justice à le côté monumental, le côté ahurissant de tu vois, qui vient du centre de la Terre, je dirais, et en même temps du concept. Et les petites photos qu'on va voir tout à l'heure dans la galerie, là, on voit Karine qui rend visite à Emmanuel. Là, vous voyez donc les petites robinettes qui passent normalement là-haut. Une installation absolument extraordinaire. Et là, ce sont les statues moyennes, si les gens veulent les acquérir, donc après, ils auront les prix, etc., qui sont fantastiques. J'en ai moi-même acquis deux. Voilà, des grandes statues, des statues à hauteur de et puis des petites choses inquiétantes comme ça, ou voilà, qui sont que nous sommes allés chercher, Karine et moi, nous sommes allés dévaliser Emmanuel, parce qu'on avait déjà vu Emmanuel Aïda avec ce genre de petites merveilles comme ça. Voilà, et donc elles sont là, et ça va permettre après de remettre dans l'esprit des gens qui pourraient acquérir aussi les œuvres d'Emmanuel, et je pense qu'il y en aura beaucoup. Là, c'est pas une grande chose, mais elle est très bien prise, mais elle est absolument merveilleuse. Donc, c'est pour ça que je voulais qu'on passe ces photos qui ont été prises cet après-midi, que j'ai demandé à Isabelle de rajouter, merci Isabelle, de façon à ce qu'on mesure bien que cette exposition est à, je dirais, trois dimensions. Les grandes monumentales statues qui sont très impressionnantes, les statues très questionnantes du milieu et les toutes petites choses. Or, quand on regarde la galerie qui a été très bien faite par Isabelle, mais les photos Emmanuel, je ne te reprocherai rien, mais elles sont toutes presque à la même dimension. On ne mesure pas le côté monumental et philosophique si, et le côté implacable de ton exposition telle qu'on la voit là. Oui. Ben, un peu avoir une idée. Vous le là, voyez, c'est extraordinaire. Là. Et quand j'ai commencé à retravailler avec la terre, en même temps, il y a une technique, il y a un matériau à s'approprier. Il est difficile de travailler tout de suite sur des grandes pièces. Donc, je me suis efforcé de travailler plutôt sur des petites pièces et de tenter par des petites pièces d'exprimer. Vous l'avez dit, ça, oui. Hein, voilà. C'est ce déjà venu, oui. L'exprimer. Parce qu'avec les petites pièces, je peux plus facilement travailler justement les couleurs, faire des expériences qu'avec sur des grandes, c'est pas possible. Surtout qu'en plus, j'ai un petit four, je ne peux pas cuire des grandes pièces. Voilà, c'était compliqué. Voilà. Puis ça demande beaucoup d'énergie. Les petites pièces, me semble, répondaient parfaitement à mes problèmes et exprimaient parfaitement ce que je tentais d'exprimer et de montrer. Voilà. Quand j'ai commencé à retravailler avec les corps, et ben les corps, d'abord, je ne les ai pas fait très grands parce qu'il fallait aussi pareil. Ça, bon, il faut se rendre compte aussi comment ça, les choses fonctionnent, comment ça marche. Et maintenant, je trouve que c'est bien de les faire plus grands, de devenir plus grand, de rentrer dans un domaine de la statuaire, quelque chose de plus imposant. Et j'ai maintenant plutôt tendance à travailler en grand, comme les grandes sculptures qui sont présentées. J'en ai d'autres dans l'atelier, pas que celle-là. Et je trouve ça maintenant beaucoup plus intéressant. Voilà. Donc j'ai adapté ma technique. Ah, j'adore. Là, j'ai adapté ma technique pour travailler en plus grand. On l'a vu là-bas, oui. De façon à pouvoir, être peut-être encore plus fort dans ce que je veux montrer. Ça s'est vendu, ça y est. Hein? Ouais, elle a été vendue cet après-midi. Tout ça, c'est petit. Tout ça, c'est des toutes petites pièces. Alors elles sont très bien. Hein. Mais ah, ça aussi, c'était vendu. Ça, c'est les statues les plus grandes. Hein. Voilà, ça et là, fait, peut-être que oui, Emmanuel 4... pourrait nous dire. Oui. Celles-là font 80 cm. Voilà, c'est pas très grand non plus. Hein. Le socle, voilà, en tous, elles font 80 de haut, à peu près 80 cm de haut, c'est pas très grand. Je suis obligé de les couper en deux, donc je les cuis en deux morceaux, évidemment, et je les assemble après. Voilà, donc là, ici, on a les. Mais elles sont sur socle. Oui, elles sont sur socle. Oui, voilà, mais voilà. Tu vends le socle avec, elles sont ah, très. Ben, je vends bien sûr le socle avec. Là, c'est les petites sculptures, voilà, là, quand j'avais démarré, pour retravailler sur le corps, pour à nouveau aussi moi-même acquérir une certaine technique, c'est pas évident. Hein. Voilà, c'est pas simple à traduire le corps, à redonner les muscles.
la longueur des jambes, la longueur des bras, tout ça, c'est pas simple. C'est-à-dire que quand, dans ma démarche, par moment, ça bloque, tu vois, par moment, on ne sait plus trop où est-ce qu'on va, voilà. Et quand ça bloque, qu'est-ce que je fais? Je reviens, bon, c'est toujours la façon dont j'ai toujours travaillé, je reviens au départ, c'est-à-dire je reviens à l'essentiel, alors je connais, je sais où est mon essentiel, et je reviens à l'essentiel, je ne repars pas dans des délires pour prolonger des sculptures qui, à un moment, n'auraient plus de sens, je reviens à l'essentiel. Aujourd'hui, revenir à l'essentiel, ben, c'est donc, le corps tout simple, des formes très simples, et tenter de les assembler. Voilà. Donc, je les assemble après pour, j'espère, traduire quelque chose. C'est-à-dire que quand je leur fais porter des bras ou des jambes, ou quand je leur mets sur la tête, quand je leur mets sur la tête une casserole, etc., je peux en parler, hein, ce n'est pas le problème, mais j'aime autant que ceux qui regardent soient aussi capables d'en parler. Et, René Geneviève, qui est passé tantôt à la galerie, on en a parlé un tout petit peu, elle m'a dit, bah, ça, voilà ça, quand je vois ça avec les deux petites bouches, je vois ça. Ce n'est pas ça que moi je voyais, mais j'étais content aussi qu'elle, elle voit aussi autre chose. Et que vous voyez quelque chose, j'en suis très heureux. Voilà. Mes formes, est-ce que je peux demander Les formes que je mets, que j'assemble dans les petits paysages et celles dont je me sers aussi pour mettre à la place de la tête, en fait, j'ai une grammaire. Hein, j'ai une grammaire de formes, j'ai une dizaine de formes qui j'estime être toutes symboliques, poétiques, elles ont tout un sens. Alors, il y a des tubes, il y a des troncs d'arbres, il y a des boules, il y a des croix, voilà, toutes ces choses ont un sens poétique et philosophique. Ensuite, je les assemble et l'assemblage de ces formes, c'est comme des mots dans une poésie, hein, elles vont former autre chose. Hein. Ensemble, elles vont exprimer quelque chose. Voilà. C'est comme dans un paysage où vous avez la forêt, et quand vous traversez la forêt, en même temps, vous avez les ruines, voilà, les ruines et la forêt, où le paysage se construit avec les pierres et avec les troncs. Voilà, c'est ça aussi. Quelque chose, oui. Oui, parce que tout à l'heure, il a dit que quand il arrivait à une sorte de blocage, j'allais demander quel blocage, évidemment, il ne le sait peut-être pas forcément. Ben si, je le sais parce que attends, oui, mais je voulais juste te demander si, parce que ce que je ressens, je n'ai pas eu l'occasion d'en parler avec toi, j'attendais ce soir, puisqu'on a mis tout en place et puis on avait beaucoup de choses à partager, à communiquer, à installer, mais je n'ai pas eu le temps de parler de ton œuvre. Et mon ressenti, quand je le regarde, on a tous, c'était, est-ce que quelquefois, on ne ressent pas une souffrance d'enfermement? Une souffrance d'enfermement, parce que ces corps sont des corps, pour moi, qui sont empêchés, qui sont empêchés de mouvement, qui sont... Bah, de toute façon, de pierre, bien sûr, on est d'accord. Ben oui, mais comme ben, un Donatello, fait, ben, tu vois, ou un Giacometti, c'est encore autre chose. Il y a quelque chose d'une fixité et d'une fossilisation extrême, accentuée par des symboles très forts, les jambes coupées, les mains avec des poids, des troncs sur le col. Il y a de la au-delà de mes propres questions sur qui on est, d'où on vient, etc., voilà, tout le bazar habituel, il y a derrière la question évidemment du temps, il y a la question de l'espace, il y a la question de l'espace entre moi et les choses. C'est une façon d'interpréter aussi, ouais. La manière dont on va interpréter. Comment chacun va interpréter, par exemple, sur la douleur, comment chacun va interpréter la notion de douleur. Bon, voilà, c'est ça aussi. Hein. Mais enfin, cette exposition, c'est une exposition, quand on arrive, on suffoque. Vidéo, c'est simple, c'est que en fait, avec mes petites vidéos, j'essaie de rendre visible ce qui n'est pas visible, c'est tout. Voilà. C'est-à-dire que ce qui se passe à l'intérieur, je les mets en mouvement, Enfin, je sais pas. Oui, c'est un peu ça. Voilà. J'essaie de rendre visible ce qui n'est pas visible. Voilà, tout simplement. Alors, petite question, comment est-ce que tu fais pour animer tes... Pareil. C'est très simple. La technologie, c'est une technologie très simple. Les technologies sont simples et en même temps complexes. Hein, parce que cuire de la terre, ça demande quand même une certaine... c'est pas compliqué, mais c'est en même temps... c'est assez simple et en même temps... c'est l'un et l'autre en même temps. Il faut un petit peu d'expérience quand même. Pour les vidéos, il faut utiliser quelques outils qui sont mis à disposition des logiciels de retouche d'image, un logiciel de montage vidéo, des choses qui sont gratuites sur Internet. Et puis voilà, je me sers de... Comment tu filmes d'abord chaque... Non, je prends en photo image par image. C'est de l'image par image. Voilà, c'est un truc qui est sympathique. Donc, c'est de l'animation. C'est de l'animation. C'est vraiment à la portée de n'importe quel premier étudiant
voilà. Mais quand même, donc voilà. tu photographies ou tu filmes image par image? Tu filmes. Je photographie image par image. Je veux quand même, comme on parle de technique quand même, depuis le début, je veux quand même que la technique soit pas un handicap. Hein, je veux surtout pas que ça. Je veux que quand je travaille ma terre, je ne veux pas en aucun cas. Je veux que ça devienne trop compliqué. Non, il faut que ça reste très simple. Voilà, je prends ma terre, je la modèle, je la laisse sécher, je la cuis, ça doit marcher. Voilà. D'accord. Donc la vidéo, c'est pareil. Donc, en aucun cas, je vais utiliser des outils de montage vidéo complexes. Ça va me gonfler. Et puis non, je veux que les choses restent très très simples, de façon à rester très concentré. Hein, c'est bien ça, concentré. Quand on parle d'enfermement, ben c'est ça aussi. Il faut que toutes mes pièces soient très concentrées, que ça reste, voilà, que les émotions qui sont mises dedans restent enfermées à l'intérieur. Les vidéos permettent juste un petit peu que ces émotions sortent un petit peu. Voilà, quand ça fasse du bruit, kikika, kokoko, voilà, etc. Voilà, c'est un petit peu, voilà, à un moment, ça bouge. Hein. Je prenais pour exemple cette histoire de. J'avais déjà fait, j'ai déjà raconté ça. La nuit de Noël, vous savez, les pierres levées, la nuit de Noël, elle bouge et elle libère des trésors. Ben, j'aimerais que mes vidéos, ça soit un petit peu la même chose, que de temps en temps, quand elles se mettent à bouger, voilà, elles libèrent des trésors qui sont cachés derrière. Bon, voilà, c'est tout. Mais par exemple, quand une tête bouge ou un objet sur une tête se soulève, comment tu fais soulever? Est-ce que je la prends en photo un petit peu surélevée, et puis après, ouais. avec mon logiciel de retouche photo, je découpe. Voilà. Non, c'est Karine, c'est oui. À la portée de n'importe qui. Oui, non, mais ce que je veux dire, il n'y a pas d'intervention manuelle. Elle est posée dans l'espace à des espaces. Oui, en fait, les objets sont posés à des endroits différents. Voilà. C'est tout ça. Tout à fait. Voilà. D'accord. Oui. D'accord. Non, parce que techniquement parlant, c'est simple, mais c'est extrêmement efficace. Oui. Et quelque part, c'est assez innovant. Moi, j'ai vu toute la technique d'animation avec les objets en pâte à modeler. Ça, c'est une technique classique d'animation. Oui. Mais malgré tout ce que tu fais, je ne l'ai jamais vu. C'est-à-dire des objets artistiques dialogués. Tu vois, fabriquer séparément, puisque à cause de la petitesse du four, si j'ai bien compris, oui. C'est ce qui au départ a fait que tu faisais ces petits objets. Oui. C'est pas une volonté de morceler le corps dont parlait Geneviève, ou un rapport à un travail sur le corps fantasmé, la métonymie dont parlait Lacan. Je pense qu'au départ, c'était quand même la petitesse du four et le fait que tu voulais représenter le corps. Oui. Et tu t'es dit, je vais assembler. Voilà. Oui. Donc, c'est intéressant de se dire que de cette contrainte est né un style. Pour moi, c'est vraiment un style. Alors ça, autant les sculptures, je dirais que je vois le processus en marche. Comme je disais à Geneviève, on aurait très, très envie de te suivre et voir dans 20 ans la démarche absolument incontournable qui va en sortir. On a l'impression qu'on est en progrès. Les petites vidéos, ce sont déjà des objets aboutis pour moi. Ce sont des chefs-d'œuvre aboutis, oui, le rapport entre le son. C'est déjà la perfection d'une certaine façon. C'est gentil. Donc, c'est étonnant de voir cet assemblage relativement simple dont tu parles donner des mouvements totalement inédits. Oui. Non saccadé, et un sens de la musicalité et du rythme extraordinaire. Est-ce que tu peux parler des bruitages? Les bruitages, je les trouve sur Internet. Donc, j'enregistre des sons sur Internet. Hein, alors, il y a pas mal de petites vidéos dans lesquelles où je parle. C'est-à-dire qu'il y a une tête de bonhomme qui apparaît, qui récite un morceau de poésie. Voilà, donc ça, c'est moi qui parle. Hein, ça, c'est pas très compliqué. Sinon, le reste des sons, non, c'est des sons que je trouve sur Internet, que je retravaille un petit peu parce qu'il faut les recadrer, etc. Il suffit un petit logiciel d'audio, ça, c'est pas compliqué non plus. Et ensuite, il faut les intégrer. Voilà, et en fait, le texte vient après. Tu le colles après. Je fais mon montage et après je fais mon son. Oui. Et après, j'adapte mon son à l'image. Des fois, c'est à l'image. Voilà. Bon. Il y a un petit peu de travail quand même, un petit peu quand même. Oui, il y a beaucoup. Et est-ce que tu commences parfois par coucher le texte et mettre ensuite, il te donne le temps de la vidéo?
Oui, ça marche aussi, ça. Il n'y a pas de règle, hein. Oui, voilà. Parfois, tu commences par le son, parfois, tu commences par Oui, l'image. il n'y a pas vraiment de règle. Voilà. Mais En tout bon, cas, en il y a une général, il y a. abstraction. Voilà. Et quand même, il n'y a pas 50 000 vidéos. Hein. Tu sais, j'en ai peut-être aujourd'hui, j'en ai quand même beaucoup, parce qu'il y en a quand même. Avant que je fasse avec mes sculptures, il y en a d'autres encore avant. Voilà, il y en a plein d'autres avant, sur la même technique, hein, mais qui étaient différentes. Qu'est-ce que je veux dire? En général, il y a une sculpture, une vidéo. Un petit mot pour tous ceux qui écoutent. Tout mon travail est visible sur Internet. J'ai un blog, il suffit de taper Emmanuel Robineau sur Internet et vous allez avoir accès à l'ensemble de mon travail, les sculptures, les vidéos, les textes, tout est visible, hein, tout est partagé. Voilà, donc. En revanche, le temps de l'exposition, donc les œuvres sont à vendre sur la galerie virtuelle qui est que l'on trouve sous IGDA 2.0 sur le site karinesaporta.com. Donc sur le menu, on trouve tout de suite la galerie. Mais Oui. je voudrais dire une chose par rapport effectivement au fait que nous sommes pendant un temps jusqu'au 14 avril en pleine exposition à IGDA 2.0, y compris sur la galerie virtuelle. Les vidéos ne sont pas à vendre pour le moment. Mais sais-tu qu'il y a un marché de vidéos d'art? Est-ce que tu as tenté, comme tes œuvres sculpturales, de vendre tes vidéos? Et ce serait une bonne chose d'essayer de les vendre. Tu sais qu'il y a des festivals de vidéos d'art, il y a des Alors, collectionneurs, il y a des réseaux. oui, tout à fait. Ben, de toute façon, je participe actuellement à un petit festival de vidéos. Donc, je ne sais pas le nom, comme ça voilà. C'est un petit festival de vidéos en ligne, parce qu'évidemment, tout est en ligne. Donc, j'ai envoyé une série de vidéos auxquelles donc, mes vidéos sont visibles dans le cadre de son festival. Et dernièrement, je me suis amusé, parce que ça m'amusait, parce que j'aime bien aussi que les choses soient un petit peu amusantes. Vous connaissez sans doute la plateforme de vente en ligne qui s'appelle Voir, VOAR. Oui, Ça bien vous dit sûr. rien? Hein? Oui, Oui? bien sûr. Voilà, très bien. Donc j'y ai mis en vente, pas mes sculptures, mais j'y ai mis en vente mes vidéos. Voilà, c'est tout. Oui, c'est ça. Donc, tu sais qu'on peut vendre Voilà, des vidéos. ça Donc, m'amusait. nous, Ben, si elles sont en vente ailleurs, nous nous cantonnerons à tes sculptures. voilà. Donc, Isabelle avait commencé à faire dérouler un petit peu la manière dont ça se présente sur la galerie virtuelle. Est-ce que tu peux y revenir, Isabelle? Voilà, donc chaque sculpture est détaillée. Il y a le prix, la taille, sous Voilà, les les images. grandes. Alors, il y a les grandes sans les socles, mais c'est pas grave. Voilà. Voilà. Et il est vrai, comme le disait Geneviève, qu'on ne voit pas, on ne ressent pas. Quels sont les grands formats, quels sont les petits Oui. formats. Eh bien, Et ça, c'est très c'est bien. Au moins, difficile ça de prouve pallier à qu'elles la sont vraiment réalité. construites intelligemment. Je vais m'envoyer des fleurs. Qu'elles sont vraiment bien construites, qu'elles sont bien concentrées, qu'elles expriment vraiment quelque chose de fort. Si on sentait trop la dimension, je pense que ça serait pas. Voilà, ça serait pas bien. En revanche, la dimension est Façon, elle est marquée de bien. toute façon. Voilà. Oui, tout à fait. Mais c'est vrai que par rapport à la sculpture, la question de la virtualité se pose davantage. Parce que comme disait Geneviève, quand on arrive dans la galerie physique, le fait d'avoir ces bonshommes, je pensais un peu à l'armée de Chine, tu sais, ce sculpteur qui a Tu m'avais dit ça. reproduit, c'est complètement, complètement sidérant de sentir une armée reconstituée par un sculpteur. Une armée qui va au combat sur un champ de bataille, ça n'a rien à voir avec la reproduction par un peintre de Non. cette armée sur le Oui. point de se battre. La physicalité de la présence des corps multipliés, on est, comme le disait Geneviève, effectivement, quand on est dans la galerie, on est comme sur un plateau de théâtre, entouré de corps qui vont se mettre en action. Ce qui est différent, effectivement, de regarder dans une vitrine une statue sur un socle. Je suis C'est ça contente que qui tu est à dises voir. ça parce que tout à l'heure, bon, j'ai parlé de suffocation, j'ai parlé de, comme toi tu l'as dit autrement, mais il y a quelque chose de suffocant, c'est la suffocation, la mienne, les autres, et la suffocation, l'installation.
aussi d'Emmanuel, parfois face à sa réalisation, face à ce qu'il disait tout à l'heure, puisqu'on a tout ça à partager, lui avec, il l'a fait de cette façon, et Jackie m'a mis un mot en me disant, je regarde, moi je n'ai pas suffoqué. Eh bien, je trouve que ce n'est pas un gros mot de dire qu'on suffoque quand on peut rentrer, ce n'est pas négatif de suffoquer, c'est juste que, surtout en ce moment, ou peut-être que Jacques va nous… Je ne sais pas si le test correspond à ce moment où on suffoque tous. On est tous dans cet état et peut-être que depuis le confinement… Tu vois ce que je veux dire ? On suffoque. Si moi, quand je suis arrivée, j'étais éblouie aussi et suffoquée. C'est comme si je rentrais dans un temple. Tu vois, Karine, dans un temple, il y a une force… monumental, phénoménal, et je crois savoir, Karine, que tu as revu Emmanuel pour une beaucoup plus grande commande, pour justement qu'il aille de plus en plus vers ce qu'il désirait au début, parce qu'il est déjà venu à la galerie. On a déjà beaucoup parlé la première fois, il a eu un gros succès, et avec des petites pièces, en me disant, mais moi, je voudrais en faire des grandes. Je me souviens très bien, tu l'as redit. Et toi, Karine, tu en vis aussi de choses de plus en plus. Par rapport à la suffocation, c'est vrai que moi, je suis… C'est pas un gros mot. Quelqu'un qui aime partir d'abord des émotions, mais des techniques. Bon, voilà, parce que je pense que c'est ça aussi qui pêche énormément dans la critique française en particulier. C'est qu'on dit toujours c'est bien, c'est pas bien, c'est fort, c'est pas fort. Là, parfois, c'est intéressant entre artistes. Je suis pour que les artistes se critiquent entre eux, parce que se poser des questions à l'endroit même de l'art que l'on pratique, ça fait avancer les choses. Voilà, souvent, en tout cas par rapport à la danse, je ne sais pas pour la sculpture et les arts plastiques, mais souvent dans la danse, les critiques ne rentrent pas du tout dans ce qui nous intéresse et on a l'impression que… Donc, par rapport à la notion de suffocation, qui effectivement n'est pas la première chose dont j'aurais aimé parler, ça c'est un sentiment que je n'ai pas eu du tout non plus dans la galerie. Non, mais alors, je ne parle pas de suffocation, je dis qu'il a pris toute la galerie tout en… faisant une installation extraordinairement construite, il y a quand même quelque chose de la suffocation. On est pris, et tu l'as dit autrement, on est happé par quelque chose d'implacable. Et je sais que, par exemple, Laurent Bousquet l'a dit à un moment, quelqu'un sur Facebook l'a écrit, je ne sais plus qui je devrais le nommer parce que je le connais, en disant « c'est implacable ». Le commentaire que je voulais faire, c'était sur la notion de sacré. Voilà, je suis très sensible à la notion de sacré. Et tu m'entends ? Non, pas du tout. C'est la notion de sacré. De formidable. De ça, je le sens. Sacré. Et c'est vrai que si la suffocation passe par… Si Geneviève est sensible au sacré, peut-être qu'effectivement, grâce au sacré que j'essaye de mettre à l'intérieur de mon travail, peut-être que c'est… Merci. Elle est peut-être sensible à ça, c'est ça hein. Merci. Au fond d'elle, c'est une grande croyante, c'est pour ça. Voilà. Je suis une grande sensible. Voilà, une grande sensible, au moins. Voilà. En tous les cas, j'allais dire… Le sacré, ça, c'est certain. Hein, voilà, ça, c'est indispensable. Enfin, c'est indispensable. On ne va pas rentrer. Non. Ben, tu vois, quand tu dis sacré, moi, je pense au sacre des rois aussi, pas seulement au sacré divin. Et je dis qu'il y a quelque chose d'extrêmement médiéval dans ce que tu fais, mais aussi, et c'est pour ça que ça m'intéressait d'évoquer les questions techniques, comme cette dimension de quête qui a été pendant des siècles celle des humains avant de découvrir Dame Perspective, comme on disait au Moyen-Âge. Oui. On attendait que surgisse Dame Perspective. C'est comme si il y avait cette maladresse, cette naïveté et cette force, parce qu'à partir du moment où on sait représenter en trois dimensions, à partir du moment où la perspective arrive dans l'histoire de la peinture, en tout cas, au bout d'un temps, on perd quelque chose, justement, du tâtonnement dans l'obscurité et du questionnement lorsque la perspective n'était pas encore apparue dans l'histoire de la peinture. Et je pense qu'il y a dans ta démarche, quand je parlais de naïveté, quand je dis cette dimension médiévale, d'un manque quelque part. Manque le savoir reproduire en trois dimensions.
Je ne sais pas si ça te parle, tu vois. Et alors, tu disais sacré. Moi, je pense effectivement au sacre. Je pense à la basilique Saint-Denis. Je pense aux gisants. Je pense à énormément de choses liées à la fois à la représentation royale, au rituel lié au sacre des rois, mais aussi, pourquoi pas, effectivement, à la question religieuse. Mais religieuse plutôt dans l'histoire de la représentation, pas dans l'élan religieux. Quand je parle de sacré, je parle de sacré, je ne parle pas de religion. Hein. Voilà, attention, voilà, on est bien d'accord. Et c'est vrai aussi, quand tu parlais toi, des gisants, j'ai des petites séries, hein, qu'effectivement, que tu as dû voir, mais bon, c'est pas grave, qui sont des reprises des gisants. J'ai fait aussi des petites séries qui sont des reprises de reliquaires, parce qu'il me semblait que ces objets étaient aussi très chargés au niveau du sacré, très chargés aussi avec le rapport au corps, avec la mort, avec les restes. Ces petites pièces sacrées et gisantes, j'en ai fait plusieurs et ça fait partie de mon travail aussi, hein, ça c'est certain. Voilà. Est-ce que Geneviève, tu crois que la sensation que tu as ressentie de suffocation était liée à ça, à la présence de corps qui rappelait un peu cet univers des cimetières, que tu habites en face d'un cimetière? J'ai trouvé que c'était… En plus, je n'ai pas parlé que de suffocation. Les académismes viennent la plupart du temps de la transmission parfaite d'une technique. En revanche, effectivement, c'est la question pour moi dans l'histoire de l'art. C'est la question. Est-ce que l'amnésie est porteuse de redécouverte ou est-ce qu'effectivement c'est une perte qui va vous précipiter? On dit que le Moyen-Âge par rapport à l'Antiquité, c'est un retour en arrière. Bon, c'est une vraie question et je voulais la poser à Emmanuel parce que là, ça interpelle. Cette espèce de naïveté de la fabrication. C'est 4 siècles, le Moyen-Âge. Non, mais la maîtrise technique n'est pas du tout mon objectif. Je dis simplement que ça interpelle. Alors moi, je trouve passionnant quand même qu'au lieu de s'engouffrer dans les avant-gardes conceptuelles, certains repartent en quête d'outils qui permettent effectivement de contourner l'obligation conceptuelle. Parce qu'à un moment, comme tu dis, dans les écoles d'art, c'était une sorte de… Comme nous, dans la danse contemporaine, il y a eu le diktat, les ayatollahs du relâchement, de la non-tension, d'un mouvement coulé, de la fluidité. Il y a toujours des diktats. Chaque époque est porteuse de ça. Et je pense que l'époque qui est la nôtre est encore très, 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 très empreinte de cette philosophie du Champienne. Et c'est assez admirable de voir qu'il faut peut-être repartir de zéro pour échapper à une sorte de terrorisme de la pensée. Mais c'est vrai un petit peu dans d'autres domaines aussi. Quand tout d'un coup, il y a l'hégémonie d'une manière de penser, la pensée conceptuelle a été quand même très terroriste et terrorisante. Et ce nihilisme est quand même pour moi synonyme aussi d'une défaillance de générosité. Moi, je pense souvent à cette phrase de Marx, je crois que c'est la préface du manifeste, « Les eaux glacées du calcul égoïste ». Je ne sais pas si vous la connaissez, pour retourner au Paris chevaleresque hein, et échapper aux eaux glacées du calcul égoïste. Il y a quelque part, dans la démarche d'Emmanuel, un sauf-qui-peut par rapport à cette dimension glaciale du design et d'un côté, des lignes pures du design et de l'autre, de l'injonction conceptuelle. Donc, je suis extrêmement intéressée. Et quand je parle de naïveté, justement, par rapport à une démarche trop conceptuelle, c'est très fort, c'est très important. Oui, je suis entièrement d'accord, mais pourquoi, toi, pourquoi sur les sculptures, je ne mets pas… Il y a une sculpture, il y a une casserole, il y a une gamelle. Je pourrais très bien trouver une casserole et mettre ma casserole sur la tête du personnage. Mais je ne peux pas le faire. Il faut que je fasse ma propre casserole. Je pourrais très bien mettre des vrais bouts de bois sur les chiens et les machins. Ce n'est pas un problème. Je coupe des bouts de bois, tac, 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 je les colle, c'est bon. Non, je dois les fabriquer. Pourquoi je dois faire ça? Pourquoi moi, je m'oblige à ça? J'ai pas moi la réponse. Hein. Sauf que je ne peux pas faire autrement. Il ne me viendrait pas à l'idée. Je ne peux pas mettre un vrai objet. Il faut que je le fabrique. Pourquoi c'est comme ça? Je ne sais pas. Parce que c'est Robineau, c'est tout. Voilà. Non, je ne sais pas. Voilà. Voilà, sans doute. Non, je pense qu'une démarche comme la tienne pourrait aussi s'accommoder de mettre une boîte d'allumettes ou des allumettes. Oui, pourrait aussi. Ça, parce que l'art brut se sert beaucoup de ce genre d'objet. Voilà. Mais oui, tu fabriques.
tu fabriques parce que c'est le champ aussi de ta vitalité. C'est le réservoir de ta vitalité de se poser ces questions de fabrication. Oui, puis c'est aussi un challenge aussi. Hein. Voilà, voilà, ouais, c'est une mise en danger aussi. Hein. Voilà. Ouais. Voilà. Le challenge et la vitalité, c'est quand même souvent assez proche. Ouais. Et la dépression et le conceptualisme, ça peut l'être aussi de temps en temps. Pas toujours. Je fais des raccourcis un peu rapides là. Peut-être Geneviève appréciera-t-elle que nous regardions encore ses robinettes préférées. Ah ben oui, hein, tu n'as pas dit. Robinette, la force à ton émission, les idées en place. La force, c'est toi qui interview, mais ça donne beaucoup de force, oui. Beaucoup de force à l'émission. Beaucoup de sens. Un sens. Beaucoup de sens. Après les coups de couteau en acier inoxydé. Malgré les contrôles incessants, les aides à la respiration, les coups de bâton dans les côtes, ils n'ont pas cessé de cueillir dans les lierres les baies sucrées, dans les pieds de Ravenel les graines ocre-orangées, d'arracher des murs, des ruines, et les désespoirs. Cela pourrait être une solution de cribler les torses, de cibler les poumons, de mettre à terre les longs pieds, les longs doigts, les longs ongles, que le corps tranché ne retrouve plus sa perspective, juste des vues éparpillées parmi les frondes des fougères. Beau, avec le texte, c'est très 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 beau. Emmanuel, comment fais-tu bouger la bouche? Ben, c'est avec mon petit logiciel de retouche d'image, je modifie la bouche, 3-4 positions différentes, et puis après, voilà, je les coordonne avec le texte, et puis voilà. Voilà. Mais la matière reste toujours durcie. Ah bah oui, pas... bah oui, non mais c'est un travail avec le logiciel. Hein, voilà, c'est pas du tout la sculpture qui est modifiée. C'est le logiciel qui modifie. Le logiciel qui fait du morphing. Voilà, c'est très facile, Karine. Je pourrais t'expliquer. Il y a aucun problème. Mais oui, c'est comme du morphing. Voilà, c'est un peu ça. Voilà, exactement. Voilà. D'accord. C'est ça. Non, mais je préfère, c'est intéressant, parce que comme c'est une matière molle à un moment, avant qu'elle soit cuite, ça restitue cette sensation de la matière molle. Voilà, ça pourrait, effectivement. Oui. Ah, c'est magnifique. Voilà. Mais effectivement, Geneviève m'a beaucoup éveillée à la force de ses vidéos, et ce sont des chefs-d'œuvre. Pour moi, certaines, entre le texte, le son, la vitesse de l'image, la durée totale et les formes qui bougent, je dirais que certaines sont vraiment parfaites. Yeah. Et là, je rejoins ce que disait Geneviève, que je n'ai pas du tout ressenti dans l'expo, il y a quelque chose d'implacable. Ah, c'est pas moi qui l'ai dit, Karine. C'est un amateur qui est venu liker, commenter. Ben, ton Facebook, Emmanuel, et qui a mis « c'est implacable ». Oui, j'ai vu. Laurent a répété « c'est le mot juste oui, », et moi j'ai répété effectivement « c'est implacable » et c'est ça, quoi. Et c'est ça. Maintenant qu'on revoit les vidéos, je comprends mieux ce mot, que je ne comprenais pas du tout il y a quelques minutes, mais en revoyant les vidéos, je me dis « effectivement, c'est un mot qui a du sens ». Mais dans l'exposition, pour moi, il n'était pas du tout juste, parce qu'il y a quelque chose du fil du rasoir dans « implacable ». Or, pour moi, la rondeur des personnages, le côté maçonnique, le côté médiéval au sens artisan, a quelque chose. Alors, c'est drôle, vraiment, la manière dont on associe les sensations, les émotions. Là, on déborde un petit peu de l'univers d'Emmanuel Robineau, de la façon dont nous nous emparons de cet univers. Parce qu'il me rassure, je ne suffoque pas, je ne me trouve pas... Je trouve maternelle, très maternelle. Pour moi, ce sont des déesses mères d'une certaine manière, et c'est un univers qui m'enveloppe. Et c'est un univers qui me fait beaucoup de bien. Mais lire du Robineau, c'est toujours, c'est un risque, c'est toujours très beau. Alors, je ne vais pas être trop mauvaise. Alors, je me suis découvert depuis peu. En fait, parce qu'après, on cherche un petit peu qui, voilà, les sources, etc.
Et je me suis aperçu que justement, c'était pour préparer un petit peu tout ça. J'ai recherché les notions d'invisible et tout ça. Et je suis tombé sur, je suis retombé, parce qu'il y avait longtemps que j'avais lu ça, très très longtemps, je suis retombé sur Nathalie Sarraute. Voilà. Et je suis en train de lire, relire Nathalie Sarraute. Et ah ben oui. Il y a des, voilà, il y a des choses qui, voilà, ça me parle très. Ça m'étonne pas. Ça me parle énormément sur cette notion d'invisible, de visible, des choses, voilà, des choses imperceptibles, voilà. Des choses que je ne comprenais pas il y a 30 ou 40 ans quand je les ai lues et qu'aujourd'hui je comprends. Voilà. Eh bien, j'adore Nathalie Sarraute. Voilà. Est-ce que je peux lire le texte là, Karine? Allons-y. Karine. Nous t'attendons ce avec texte, vas-y. Alors. C'est une fin de texte. Hein. L'histoire n'est pas terminée. Le réveil est douloureux. Sitôt le matin, si loin de la nuit, je ne ferai pas demi-tour pour aller chercher dans la nuit les restes hypothétiques d'une rencontre. Par contre, je ferai bien demi-tour pour aller chercher sous le sommier la poussière accumulée des semelles. Sans elle, les retours sont impossibles. Elle a cette odeur diffuse des détails oubliés, cette légèreté incolore, transportant par transparence ce qui n'est déjà plus. Emmanuel Robineau.